Bonsoir, je suis Red Eye. Tout le monde, bonsoir, vous êtes bronzé. Et 2012, c'est le premier off. Et hop, c'est parti pour plein d'émissions et de off de conneries. Ouais, j'espère que vous avez kiffé encore. Là, on va bientôt commencer. Salut, c'est Jim West. Salut, bonjour, je suis Laurine, j'ai un iPad. Oui, bonsoir, vous allez bien? Ouais, ce soir, c'est Psycholorine, c'est mon émission. Oui, bonsoir. Ah, c'est moi qui gagne, c'est moi qui ai la plus grosse. Ouais, caméra. Ouais. Je vais juste montrer un truc, c'est que Romex est le seul qui a des oreilles sur l'épaule. Il a des oreilles sur l'épaule, il est très fort, Romex. C'est très con. Eh, j'ai décidé que je faisais des blagues pourries cette année. Ah, enfin. C'est Seigneur. Caméra, on applaudit Mika. Wouhou. Mika est meilleur dans les podcasts. Mika, ça s'est bien passé? Mais canon, bien sûr, ça s'est très bien passé. Alors, les conseils, dis ce que tu ne veux pas faire quand tu es invité dans une émission. C'est prendre des cours de disco, apparemment, parce que sinon tu peux vraiment passer pour un con. Non, c'était très cool, l'équipe est canon, très drôle, tout le monde, voilà. Très bonne ambiance, c'est vraiment, vraiment cool. Mec, bah écoute, merci d'être venu. Bah, merci à toi. Donc on se retrouve sur MCE, ça? Ouais, sur MCE, tous les lundis, 19h15. Puis sur mon Facebook, voilà, Mika Roca, sur Twitter, avec quelques conneries tous les jours. J'aime bien mettre des petits statuts avec des vannes. Voilà, donc venez nombreux, on va se marrer ensemble. Oui. Tu es la nouvelle recrue. Oh là là. Bah oui, écoute. Bienvenue. Merci, c'est gentil. T'es l'assistante de d'Emeric. Je l'aide un petit peu à booker les artistes, à organiser les rendez-vous pour qu'ils viennent, tout ça, à présenter l'émission. Je suis un peu attachée de presse, on appelle ça comme ça. Demande d'aller chercher un café, tout ça. Je pense que bah oui, il est gentil. Si c'est gentil. Si c'est bien demandé. Voilà, c'est exactement. Bienvenue. Bah c'est gentil, merci. Bêtise, elle m'a déboîté l'épaule. C'est elle qui a commencé. Mais elle fait chier, Lila, putain. Pourquoi tu m'engueules et pas elle? Pourquoi tant de violence? Elle est relou, Lila, elle est relou. Qu'est-ce que tu lui as fait? On a marre, c'est nos affaires, on a marre. Elle a sifflé comme une vulgaire. Mais jamais, jamais, au grand jamais. Et madame, comme ça? T'as fait ça? Non, j'ai fait mieux, je fais... D'accord. C'est qui le patron? T'as quelque chose pour me défendre ou à dire avec la... Ah oui, c'est excusé pour mon dépôt. Je vais la frapper. David, je vais la frapper. Déjà... Arrête-moi. Une bataille de meufs en direct. Allez-y. En pissarde. Ouais. Oh, c'est bon ça. Je t'ai déboîté ça. Je suis désolée. Voilà des heures qui sont sympas. Enfin, c'est pas bon. Il manque la boue quand même. Allez chercher la boue. Non mais regarde ça. Attends, je vais chercher mon appareil. Il m'a dit qu'il a perdu des kilos. 8 kilos. Ouais. Il en a perdu 8. Par rapport au clip, ouais, 8 kilos. Ouais. Normalement, il y a 8. Ah, il est non. C'est plus intéressant ici que sur plateau, tu peux pas. Comment vous dire? Alors attendez, parce que c'est canard. Là, tout d'un coup, là, j'ai chaud, quoi. Je... Comment tu te sens ce soir? Je vais s'accoper bientôt, mais ah bon. Allez. Parce que franchement, là, ça vaut de l'or. C'est qui le patron? Allez, mets-lui à la main. C'est qui le patron? Nouveau combat de boxe. Comme dans les combats de boxe. Comment voir la ridicule en 10 secondes? J'ai rêvé d'elle toute ma jeunesse. Hey Karine, j'étais au collège. Moi aussi. Je rêvais d'elle déjà. C'était mon rêve de la voir en vrai. Et comme quoi, croire en ses rêves, 10 ans après. Moi j'étais fan. Ouais. On était fan. Ça me... J'ai la larme à l'œil. Pareil. C'est la grâce à elle qu'elle le R&B, donc merci Karine. Ouais. Ouais. J'ai perdu mon sac du World. Aide-moi. Vas-y, je t'en prie. À la recherche, ça. Il y a de la chaleur dans le couloir. Faut pas. T'as vu? Bon, alors on va chercher ton sac.
trouvé mon sac. Il était dans l'entrée, on se demande pourquoi. Tu lui as dit que c'était un Roumain qui est venu, il l'a pris, il est parti avec. Il y a une boutique de toi. Non. À vous. C'est pas moi, c'est pas moi. Qu'est-ce qui se passe? Son sac, il a l'espoir. En fait, il a volé, tu vois, et après, il a eu peur. Donc, il a reposé là-bas. Tout de suite. On va dire que tout est bien qui finit bien. C'est ça. Tu vois, tout de suite, le mort, il a accusé. Voilà, tu vois. T'as vu? Ségrégation. T'as vu? Mais tu m'avais pas fait une promesse la semaine dernière. Tu devais pas t'habiller en bombette aujourd'hui? Eh ben ouais. Hein? Non, je suis là, attends. Ah, trop bien. C'est mon nouveau t-shirt Bombec. Je suis l'égérie de Bombec. Génial. Attends, je vais le mettre, j'arrive. Ok. Bah non, mais attends, on veut voir. Mais non, attends. Ça va aller pour le mettre ou ouais. Tu veux que je vienne? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire quoi tout là-haut? J'ai le droit de venir? On va ramer. On va ramer, Diwar. Ouais, bah, moi aussi je rame un peu. Je suis fatigué ce soir. Là. D'accord, vous venez vous isoler pour... petite interview? Ah, peut-être, ouais. C'est Sagnon. Ça fait un peu un truc de police, là, avec... Ouais, ça fait un peu flou. Ouais. Que ça fait en 92. Non, prénom. Mais Discord de Daronne, rien à dire. Franchement, si vous me réinvitez, je reviens en tout cas. Vous êtes bien arrivé. Bah, merci beaucoup en tout cas. A bientôt. Bientôt, rentre bien. Merci. Bonne soirée. Bye. Ciao. Attends, prendre des photos et serrer la main, c'est pas compliqué. Oh merde, putain. Ciao. J'ai l'air d'un con maintenant. Maïri. Bonne route. Ciao. Merci. Ouais, donc on disait. Romec, c'est toi le meilleur. Non, c'est lui le meilleur. Ah non, ouais, c'est Romec. Tu m'avais caché ça que t'avais un bon papa. Hein. Boss de fou. Ah. Et bientôt, Caramelos. Vous Caramelos. Allez voir. Eh, tu ça sais va que cogner. Caramelos, il va rentrer en playlist là sur Boss de fou. Ah oui, j'espère. Je m'en occupe. Je vais donner un chèque. Hein. Je m'en occupe bientôt, t'inquiète même pas. Non, mais y a pas besoin en de chèque. En tout cas, la Web Real TV, yeah. Super sympa. Sauf Emmerich, bien sûr. Je déconne. Ok. Bisous. Okay. On se retrouve où? On se retrouve sur Base de fou. Base de fou, BU2Z. Voilà. Ça, c'est le dernier mot. Et dis-moi. Mais pas comme ça. Faut pas m'oublier non plus. Hein. Allez, ça repart. Je dis, j'ai plus de main, sincèrement, regarde. Ma main est rouge, un petit peu comme un volcan en éruption, ouais, sans déconner. J'ai plus de main, mais c'était une super émission, merci à tous. Nouveau venu, nouvelle caméra, regardez le podcast tout, s'il vous plaît. Mettez plein de commentaires sur Web Real TV, sur Facebook, sur Twitter. Sur Facebook, sur Twitter. Allez-y, lâchez vos coms, podcast tout revient la semaine prochaine. Merci à tous. Yeah.
direct ou attention. Vas-y, main, vas-y, on repasse en direct un peu. Un peu de direct pour ceux qui sont restés. Ça va, ça va. T'as plus mal au bras? C'est live. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça attend, on est toujours en live. On est en live? On est en live? Ouais, vous savez que quand l'émission est terminée, l'émission n'est jamais réellement terminée. Ça finit jamais chez nous. Ouais, ça ne finit jamais. Alors, je vais faire un petit débrief. Vous savez qu'on fait l'émission aussi pour 2 heures pour la télé, mais après, on est entre nous. 5 heures d'entre nous. C'est ça. Et ça monte en puissance de jour en jour. Franchement, s'il y a bien un endroit où il faut être le dimanche soir, c'est bien ici. Web Real TV. La télé, on oublie. Les restos, le cinéma, on oublie. Web Real TV, tous les dimanches soirs. N'est-ce pas, Emric? On est plus fort que jamais. Le poteau Ali, il est là. Il fait beaucoup de belles choses. On oublie. Plus de fou.com, il est en forme comme jamais. Toute et la oui, team. Comme d'hab. Et Bombec et tout ça, ça va être énorme. Ah c'était génial. Attends, Karine, toute mon enfance, j'ai grandi en écoutant ses musiques, donc je suis content de la recevoir. Et Stéphane Clerget, superbe aussi, tu vois, Psycholorine à côté. Tu es excellent dans ça. De la marque. Le ciné Jubat Boy, bah écoute, on va le faire. Bah là en fait j'en ai déjà 3 qui sont prêts. Mais bon après il n'y a pas d'ordre précis. Mais non il faut qu'on arrive à se caler une date. Parce que en plus j'ai déjà réfléchi à un petit truc qu'on pourrait faire. Et je t'en parlais là tout à l'heure. Mais franchement je pense que ça peut être vraiment pas mal. Un petit D-World Bad Boy là, hein, avec ta bonne tête là, je pense qu'on peut le faire très prochainement ça. On va se faire ça. Ouais je sais mais moi je suis comme ça. Je vais arriver à faire un quad comme ça. Bon, mec. Un petit shake.